Vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien, ok. Donc, alors, on va passer à la série d'exercices, mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la série d'exercices, s'il vous plaît? Très bien, donc alors, on est dans la série d'exercices et je vous propose donc la série d'exercices numéro 2 directement. Dans la série 1, il reste un exercice, c'est le dernier exercice, donc je compte sur vous pour le faire, pour pouvoir avancer un peu. Donc il y a un seul exercice qu'on ne traite pas dans la série 1, vous le faites et on est dans la série 2, s'il vous plaît. Alors, dans la série 2, le premier exercice, il dit quoi? Il dit dans l'environnement d'e-bag, soit l'appel à la routine d'interruption suivante. Donc, on suppose le programme suivant. Donc, A, je fixe une adresse. A, vous savez qu'avec le debug A, c'est pour essayer d'écrire une séquence d'instructions. Et moi, j'ai choisi l'adresse, donc voilà l'adresse. J'écris la première instruction, int 1c. En réalité, c'est int 1ch, mais le debug ne comprend que l'hexadécimal, donc on ne met pas le h. Quand je fais entrée, vous voyez que ça passe à l'adresse suivante, donc le 100 est devenu 102. Donc on déduit que l'instruction int 1ch, elle fait 2 octets. Ensuite, là, il y a une instruction qui ne m'intéresse pas. J'ai fait note pour no operation. Et je fais entrée. Donc, il passe à l'adresse suivante. Et j'ai déduit que note, elle fait un seul octet en code machine. Et j'ai fait un R. Alors, il me donne le contexte du processeur en me disant que la prochaine instruction à exécuter, c'est bien int 1c. Voilà même son adresse. Donc 0C9B 0100 int 1C. Donc je la vois. Donc c'est clair quand je fais un T, c'est cette instruction qui va s'exécuter. Et j'ai la suite de l'exécution parce que tout est T, 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 T. Il y a une première question qui dit. Première instruction dans la série qui dit déduire la représentation, attendez, déduire la représentation exacte du vecteur d'interruption, adresse et contenu de l'interruption traitée dans cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut l'interruption qui a été provoquée dans cette séquence. Nous voulons voir son vecteur d'interruption. Et quand je dis voir le contenu du vecteur d'interruption, ça veut dire les adresses de ce vecteur plus le contenu de ce vecteur. Alors, voyons un peu de plus près pour répondre à cette question. Il est clair que l'interruption qui est traitée dans cette séquence, c'est bien int 1c. L'interruption int 1c. Donc, c'est la 1ch qui est celle-ci. Et moi, je veux déduire le vecteur d'interruption 1c, où je suis exactement et il est à quelle adresse. Vous avez une solution à cela? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc, où se trouve ce vecteur dans la mémoire et c'est quoi son contenu?
Monsieur, Oui, je vous entends. Je vous CS entends. 000. C'est-à-dire, dans le vecteur de la NCH, j'ai CS égale à 0000, c'est ça? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Et le IP? 070. 0070. Je ne sais pas si vos collègues sont d'accord avec vous ou pas. J'aime bien au lieu de parachuter des réponses comme ça, j'aime bien qu'on discute. Moi, je sais où sont les petits problèmes que vous avez à la Haja pour les discuter. Parce que si je parachute parce que les réponses, ce n'est pas tellement utile pour un TD. Alors, que pensent vos collègues? Alors, vous m'avez dit CS0000 et le IP0070. C'est ça? Oui. Ça, c'est le contenu du vecteur. Et où se trouve ce vecteur? Il est dans la table des vecteurs des interruptions. Mais il est à quelle adresse exactement? C'est des choses qu'on déduit de ce que je suis en train de voir sur l'écran. Monsieur NC fois 4. Oui, et ça me fait. OK. Je vais le faire moi-même. Je vois très bien. Ici, j'ai un CH, n'est-ce pas? Ça veut dire si je fais T. Qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va exécuter cette instruction. Comme ce n'est pas une exécution normale, mais une exécution pas à pas, parce que j'utilise T. Donc, il va exécuter cette instruction. Il va aller à la prochaine instruction. Il va s'arrêter, n'est-ce pas? Si je fais ça, vous voyez que mon programme était à 0C98 0100. Et j'ai fait un T. Donc, il va exécuter cette instruction parce que je fais du pas à pas de commande T. Il va s'arrêter sur l'instruction suivante. Et cette instruction suivante n'est que quoi? N'est que la première instruction de la routine d'interruption NCH. Parce que int NC, c'est une interruption logicielle. Donc, il exécute cette instruction. Il va aller sur l'instruction suivante. Donc, c'est la première instruction de la routine d'interruption NCH. Il va s'arrêter. D'où, je constate quoi? Je constate que j'étais à cette adresse-là de mon programme principal, qui est l'adresse exactement. Mais remarquez, l'adresse de l'instruction suivante, elle est complètement différente, n'est-ce pas? Comparez l'adresse avec cette adresse. Pourquoi elles sont différentes? Parce que la int NC m'envoie vers la routine d'interruption. Et la routine d'interruption, elle est dans une autre zone dans la mémoire centrale. Et la première instruction de la routine d'interruption, c'est bien 0200C 06AD. Donc j'ai bien ici quoi? Le contenu du vecteur. Le contenu du vecteur, je l'ai. Parce que dans chaque vecteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans chaque vecteur, il y a le IP routine et CS routine. Alors, c'est quoi le IP routine? Je le vois très bien. 06AD. Je suis sur la première instruction de la routine d'interruption. Donc, le IP routine, c'est 06AD. Et le CS routine, 0200C. Parce que vous voyez très bien, j'étais dans une zone mémoire, remarquez les adresses là, et je suis passé à d'autres adresses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, il est clair que int-nc a provoqué quoi? Le branchement vers la routine d'interruption. Et cette instruction qui est jump 064C n'est que la première instruction de la routine d'interruption NCH. Vos commentaires, s'il vous plaît.
ton tertiaire. Si je fais une petite somme comme ça là pour expliquer, je vais dire tout simplement que pour le vecteur CH, le représenter par un petit tableau. Alors, je vais voir ça. Là, attendez. Comme ça. J'ai besoin de toi. Non, ce chiffre, ce chiffre. Ce chiffre, contrôle 7. Deux colonnes, comme j'ai fait la première fois. OK? Donc, si pour le vecteur 1CH, j'ai compris que ici, c'est le IP routine. C'est égal à combien? Je l'ai ici, je le vois. Très bien, au ras AX. Pourquoi ça? Int 1C, ça a changé, ouais, ça a changé. C'est un problème d'affichage, il me semble. Ça. Il y a quelque chose que je vais arrêter le partage, je vais le reprendre. Il y a quelque chose qui a disparu de là. Dire Il y a un contrôle, c'est petit monsieur. sénateur comme ça. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on va faire une zone de texte comme ça. De côté. Et là, je vais insérer. Donc, on a dit, ça concerne le vecteur. C'est ce qui est demandé dans la première question. Je vais faire un petit tableau pour représenter le vecteur 1C. Voilà. Donc, ici, si c'est le vecteur 1C, ici, je vais avoir le IP route qui est égal à combien? Voilà. 06 AD. 06 AD. Il va y avoir quoi? CS root. Il est égal à combien? 02 0C. 02 0C. Ça, c'est le contenu du vecteur. Parce que le contenu du vecteur, il contient quoi, le contenu du vecteur? Il contient l'adresse de début de la routine d'interception. Moi, j'ai fait un C, j'ai fait un T. Donc, il passe à la prochaine instruction, qui est la première instruction de la routine d'interception. Et voilà son adresse. Et cette adresse, donc, elle a été prise du vecteur d'interception. Qu'est-ce qui me reste maintenant? L'adresse du vecteur. L'adresse du vecteur. CH. C'est combien cette adresse-là? De combien? Là, comme a dit tout à l'heure votre collègue, l'adresse est 1 fois 4. L'adresse est 1 fois 4. OK? Donc, je viens ici. Le n est égal à combien? C. Ainsi. Je fais un c. OK. Si je l'écris en binaire, ça va faire ça. Ça me dira égal, je mets le 0, 0, 0, 1, et voilà c. C'est en binaire. Fois 4.
Donc, ça veut dire que je rajoute. Je rajoute. Ça, c'est x4, n'est-ce pas? Essayons de les regrouper par 4. C'est ça. C'est ça. L'adresse du vecteur va être tout simplement. On sait que la table des vecteurs des interruptions, elle est dans la mémoire basse, donc 0, 0, 0, 0. Ça, comment je le dis? 0, 0, 70. Okay? Donc j'ai ça. Évidemment, celui-là sera 0, 0, 0, 0, 2 points 0, 0, 72. Ce qui va me donner la chose suivante. Il va me donner ça. Vos commentaires, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc, voyez-vous, j'ai l'adresse du vecteur, le vecteur 1CH, j'ai son adresse, mais également j'ai son contenu. Et le contenu du vecteur 1CH, ça c'est le CS routier, et ça c'est le IP routier. Et ça, donc, constitue quoi? C'est l'adresse de la première instruction de la routine d'interruption. OK, je passe la question B maintenant. La question B. La question B, elle dit tout simplement, compléter tous les espaces vides dans la routine d'interruption. On sait que la routine d'interruption, a commencé, la routine d'interruption. Suivez-moi bien, c'est le problème de distanciel. Donc, la routine d'interruption, elle a commencé ici, n'est-ce pas? Ça, c'est la première instruction. Et sa dernière instruction, elle est où? Là, voilà. Irette. Ça, c'est la routine 1CH. Bon, c'est exactement comme ça que cette routine, je l'ai amenée sur mon micro. Okay, je vous ai dit, cette routine d'interruption, la 1CH, c'est une routine bidon qui ne sert à rien, qui est appelée à être déroutée pour pouvoir donc implémenter ce qu'on appelle des comptes de temps. OK? Donc, c'est ça la routine d'interruption 1CH. Elle a commencé avec un jump et s'est terminée par irrect. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? On me dit, prenez cette routine. Là où c'est caché, donnez la valeur Monsieur FF E8. TH. La première ligne, je rien. La première ligne, mais la deuxième, etc. Oui, Donc, là aussi. selon vous, qu'est-ce que je vais avoir ici? FF E8. FFE8. Pourquoi? Parce que le fait de faire int 1CH, le processeur va passer dans la pile. Il va empiler quoi? Le PSW, le CS retour et le IP retour. Oui. Donc, il va faire trois empilements. Et donc, initialement, j'étais à FFEE. Donc, avec un empilement, je serai à FFEC. Avec un deuxième empilement, je serai à FFEA. Avec un troisième empilement, je serai à FFEA. Donc, la réponse ici serait FFEA. C'est bon? Oui. OK. Donc, alors, on va continuer carrément sur le mot corrigé. On explique cas par cas. Et j'attends bien sûr votre participation, sinon ça devient fatigant si je parle à Nawadi. Donc, on était à FFE8, vu qu'on vient d'exécuter l'interruption 1CH avec le commenté, ça veut dire exécuter ça et s'arrêter sur la prochaine instruction. Donc, FFE8, c'est bon. On m'a dit de donner CS.
Il est clair, c'est celui-là. C'est celui-là, exactement. Alors, on me demande de donner IP, c'est celui-là. Hein? Donc, c'est le CS routine et le IP retour. Et le IP routine. On me demande également de donner le PSW, ça le PSW. Nous savons, pour passer du programme principal à la routine d'interruption, le processeur passe par le PSW et il va forcer quoi? IF et TF à 0, n'est-ce pas? IF et TF à 0. Comme TF n'est pas représenté, donc il y a que le debug ne représente que le IF. Donc le IF qui était EI, ça veut dire IF égale à 1. Il va passer à IF égale à 0. Voyez-vous, il était Enable Interrupt, il devient Disable Interrupt. Okay. Donc, c'est la preuve en est, en passant la routine d'interruption, le IF a été mis à 0, il a été forcé à 0. Les autres bits ne changent pas. Il y a des questions pour le premier contexte. J'appelle ça un contexte. C'est un contexte. Monsieur, j'ai pas compris le SP. Le SP. Quand vous faites, vous provoquez une interruption, quand vous provoquez une interruption, le processeur va passer par la pile. Quand il va passer à la pile pour faire quoi? Pour empiler PSW, CS, retour et IP retour. Donc il va faire trois empilements. Donc si vous comparez entre le SP ou HANA, vous allez voir qu'il a fait exactement trois empilements. Chaque empilement, ça lui coûte deux octets, n'est-ce Ah, pas? d'accord, monsieur. D'accord. C'est bon? Il n'y a plus de questions sur ça? En d'autres termes, on est en train de DNA de mon micro. On est en train de joindre ce qu'on entend dans l'outil que vous utilisez en TP, qui est le debug, et le raisonnement sur la routine d'interruption. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, on laisse. Donc, en faisant un CH, donc, c'est avec cette première instruction de l'interruption. Maintenant, si je fais T, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter la première instruction de la routine d'interruption, il va s'arrêter. Il va donner ce contexte. Dans ce contexte, on vous demande de donner SP. On voit que l'instruction qui a été exécutée, c'est un jump. Et le jump ne touche pas à la pile. Donc, le SP reste sa valeur, n'est-ce pas? C'est dans la pile. Donc, il était à F8, il est à F8. Qu'est-ce qu'il y a également? On me demande de ça. Je vois très bien qu'il y a un jump à cette scale-là. La prochaine instruction va être à cette adresse qui est là. Donc, l'adresse 0, 2, 0, C. Et au lieu d'avoir cette adresse-là, j'ai quoi? J'ai l'adresse de branchement 064C. Donc, il s'est bien déplacé à l'adresse que j'ai voulu. C'est bon? Alors, la prochaine, maintenant, la prochaine instruction, c'est push DS. Je fais un T. Qu'est-ce qui va se passer? Expérimente le aspect D'abord, le push DS, c'est un empilement de DS, n'est-ce pas? Ça veut dire ça va aller à plus de DS. Et donc, on était sur FFE8, le push DS a provoqué donc un empilement, et donc je suis à FFE6. Donc, le fait de passer de 8 à 6, c'est dû à un empilement de push DS. C'est bon? Et en faisant push DS, on vous demande de donner DS. DS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit dans la pile. DS, ça va être 069, 069, il ne change pas. Ça s'écrit tout dans la pile. Ok, l'instruction, c'est pas X. Si je fais un T,
Il va à l'expression suivante, qui est move AX 0, 0, 40. Mais que a fait push AX? D'après que. Il a fait un élément. C'est devenu 4. Donc c'est conforme à ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Et c'est tout ce qui a été demandé. La prochaine instruction, maintenant, c'est quoi? C'est move AX 0, 0, 40. Si je fais un T, j'ai le nouveau contexte qui est là. Okay? Le nouveau contexte qui est là. Et on me demande de donner AX. On vient de faire move AX 0, 0, 40. Donc, AX va passer de 0, 0 à 0, 0, 40. Donc, il a bien pris, il a bien reçu la valeur de 0, 0, 40. Donc, AX a changé. Le SP ne change pas parce que move ne touche pas, donc ça reste FE4DOCFB. Ok, maintenant, la prochaine instruction, c'est move DSX. Et ça, ce qu'on va exécuter avec un T. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand je fais move DSX, le AX ne change pas parce que ici, le AX donne, on ne reçoit pas. Donc, il était à 0,040, il va rester à 0,040. Le mouvement rapide, donc le SP était à FE4, il va rester à FFE4. Par contre, le DS change parce qu'il reçoit la valeur de AX. Il devient quoi? Voilà. Il était à 0,5, il est devenu quoi? 0,0, il a reçu la valeur de AX. Et la prochaine instruction, maintenant, c'est celle-ci. Regardez la prochaine instruction qu'il va exécuter. Si je fais un T, c'est ce qu'il va exécuter. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? C'est clair, c'est clair. Monsieur, c'est quoi l'instruction test? Ah, c'est clair. Parce que je sais, je vais vous dire que fait l'instruction test. Mais avant cette instruction, c'est bon, c'est clair? Ok, oui, très bien, très bien. Alors, j'explique un peu l'instruction test. Je vais me créer un espace, c'est juste pour expliquer. Ben, on n'a pas tout cela. Si je fais un AND, attendez, de AND une valeur avec une valeur. Je vais travailler avec des valeurs. C'est moi qui vais prendre des valeurs. Move X, maintenant. Moi, je cherche cette spécification. Je vais vite, parce qu'on va écrire moins de. C'est pour ça que j'ai ça. J'ai fait Move PN. C'est pour expliquer le test. Hein. Et après l'utiliser, vous allez beaucoup l'utiliser. Donc, sa compréhension est nécessaire. Donc, si je fais 1, 0, 0, 0, espace, 0, 1, 0, 1, je fais un AND, L, virgule, BL. Tu vas faire l'instruction AND. L'instruction AND, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est une instruction logique, c'est le et, n'est-ce pas? Quelqu'un oui, peut me monsieur. Donner? Alors, quelqu'un peut me donner que va donner qu'est-ce que je vais recevoir dans BL ici? AL, parce que c'est AL qui reçoit. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ça sera alors 1. 0, 0, 0, espace, 0, 1, 0 et 0. C'est ça? Tout est binaire. Hein? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Hadi Haja. Également, il va affecter un certain nombre de bits parmi les bits qu'il est. Un certain nombre de bits d'état tel PSW. Parmi les bits d'état, vous allez avoir ZF, Metalen, qui va se mettre à combien?
savons que dans le test, Zéro. voilà, ZR, c'est pour dire est-ce que le résultat obtenu est nul ou pas nul, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, je vais avoir 0. ZF qui appartient au PSW, c'est juste pour me dire le résultat n'est pas nul. Et si j'ai envie de voir ce résultat, je vais à AL. OK? Il y a d'autres bits d'état qui sont affectés. On raisonne seulement sur ça. OK, je prends le même raisonnement. Je fais un contrôle-C, un peu de chouïa, puis un contrôle-V. Cette fois-ci, je vais changer le end par test. Alors, si je change le end par test, ça sera la même opération. Le test, c'est le end. Donc, le résultat, c'est celui-là. OK? Le ZF, c'est celui-là. À la différence maintenant, j'explique. Si je fais end appel BR, qui va me faire l'action, qui va me faire, il va me dire AL reçoit BR. C'est en faisant le end, voilà, je donne son explication par cas. Il me fait ça. Mais également, le ZF est affecté. Ça veut dire, si le résultat est nul, ZF est égal à 1. Si le résultat n'est pas nul, ZF est égal à 0. Et à ce moment-là, ZF, je peux l'utiliser pour des branchements conditionnels. Ça, c'est le end. Maintenant, si je viens au test ici, je reprends la même chose ici. Attends. Cette fois-ci, je vais changer le end par test. C'est quoi l'effet? L'effet, ça sera ça. Il va faire AL end BN, mais le résultat n'est pas conservé. L'opération, il dira qu'il va la faire dans l'UAL. Il va faire AL fois BL. Mais à la fin de l'instruction test, aucun registre, aucun argument n'est modifié. Alors qu'ici, vous voyez que l'argument destination AL est modifié par le résultat de l'opération. AL va recevoir bien la valeur. Ici, avec le test, quand je fais test ALBL, ça sera la même opération qui est effectuée, la même, vous voyez, c'est la même. Mais le résultat de cette opération ne va nulle part. Ça veut dire que AL ne recevra pas cette valeur. Il va rester inchangé. Donc, le end et le test, c'est la même opération effectuée au processeur, sauf que le end, l'argument destination va être modifié par le résultat. En d'autres termes, le résultat est sauvegardé dans l'argument destination. Pour moi, c'est l'argument destination. Bien sûr, il y a des bits d'état de condition qui sont affectés. Si jamais je veux faire des tests par la suite et des branchements. L'opération test, elle fait la même chose dans l'UAL, la même chose dans l'UAL, okay? Mais le résultat n'est pas conservé. Ça veut dire AL et BL qui mettent l'opération, qui mettent le jeu. Et les bits d'état qui sont affectés là, ne sont affectés ici de la même chose. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? En d'autres termes, avec le test,
Je veux faire l'opération end, mais je n'ai pas besoin du résultat. J'ai besoin beaucoup plus des bits d'état qui vont changer. Mais sur une opération end. Ça. Move. AL. Le concours 80H. C'est un exemple. Hein? Je fais. Non, je vais prendre n'importe une autre valeur. Dire. N'importe quoi, 4E. Je viens ici, je fais test. AL. Et je fais JZ sauter. C'est là où je vais sauter. Selon vous, en faisant ça. Il va sauter ou il ne va pas sauter? Il va Il sauter. va sauter, oui. parce que si vous prenez là, le 4E, le 4E, c'est ça. Ça, c'est 4E. Je lui fais un test avec 80. 80, c'est bien ça. Nous venons de dire que le end et le test font la même opération dans l'URL. C'est ça? Donc, le test, c'est le end, si vous voulez. Ça va me donner 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Et donc, comme le résultat est nul, ZF est égal à 1, il va sauter. Mais en venant ici, que vaut AL? 4 Donc, il n'a pas changé. Donc, j'ai utilisé seulement pour aller tester quelque chose sans modifier les arguments le test. Alors que si c'était le end, si c'était le end, AL va prendre ce résultat, n'est-ce pas? Quand il teste un type end, et je lui ai dit que vaut AL, c'est égal à 0. Alors qu'ici, AL est égal à bien à 4E. Alors finalement, maintenant, ma logique dans le traitement, il est juste là, dans cette partie. C'est-à-dire, je vais faire le traitement, si quoi? Je fais ce traitement que si contient AL est négatif. OK? Là, je fais ce traitement. Si AL est positif, parce que H, c'est que j'ai supprimé tous les autres bits par la valeur 0. Et je ne suis intéressé que. Après, on est très de Rotorada. Rotorada, maintenant, comme ça. Quelle est la partie qui va traiter au Lahadi? En première Ça partie. veut dire si la valeur de AL est négative. Pourquoi? Parce que tous les autres bits Nahitam, je suis en train de considérer que elle est le bit là pour dire est-ce que c'est positif ou négatif. Tout simplement. Elle est l'objet le test. OK, maintenant, je vais un peu contredire la chose. Si je fais ça, suis venu ici, j'ai changé la valeur. J'appelle ça, moi, un masque. Un masque. C'est un masque.
دونك هنا وتكون شنو درت 0 0 0 0 0 ما خلينا نبدا من الفلر هذه شويه باش تقصد لي اف هذا اف اف لا ما تصير ندير كاين الانتيري دي تيست سي الانتيري دي تيست أرو أمبارا Voilà, c'est pair ou impair. Comme si je vais dire, si le nombre qui est dans AL est pair, s'il est pair, je vais faire cette partie qui est là. Et je ne fais pas ça. Et si le nombre qui est dans AL est impair, je vais faire ça et pas faire ça. Tout simplement. Donc, vous voyez, le test me permet d'aller tester. Sans modifier les arguments. Sans modifier les arguments. Et c'est une instruction qui est très utilisée. Je termine par autre chose. Est-ce que vous connaissez la cousine de le test? La cousine du test. Je vais vous expliquer. Voilà. C'est la différence entre sub et compare. C'est la même chose. Parce que quand vous faites compare, je dirais quand je fais ça, c'est une soustraction. Le résultat est conservé. Conservé. Je fais un compare. Le résultat n'est pas conservé. Le résultat est sinon. Je vais dire sinon. Je vais le chiffre indiqué ou le chiffre souhaité. On appelle ça BX, CX. Ça veut dire quoi? Si je le schématise, c'est que BX reçoit BX moins CX. Okay? Le résultat est conservé parce que BX va changer, va prendre le résultat de l'opération. Par contre, quand je fais compare BX CX, si l'opération effectuée, c'est quoi? C'est bx moins cx, sans que le résultat ne soit conservé. C'est-à-dire que bx qui m'aille qui m'aille. Alors qu'ici, avec le sub, bx va être modifié selon le résultat de l'opération. Pourquoi on fait compare? On fait compare pour prendre une décision. Ça veut dire que je veux seulement affecter un bit d'état sur lequel je vais faire un test, sans que j'ai besoin de modifier le résultat. Voilà donc pour l'explication de la vitesse. Maintenant, on revient à la matière. On va voir pourquoi je fais le test dans notre programme. Alors, ici, quand je suis arrivé ici, on m'a dit faire un test entre quoi et quoi? Entre le contenu de cette case mémoire, le contenu de cette case mémoire, hein, et la valeur de 1400. Alors le debug a quelque chose d'intéressant, parce qu'ici, ça veut dire quoi? Ça sera faire un test entre 2400 et le contenu de cette case mémoire 0314. Et cette case mémoire, je vais l'accéder en Word, ça veut dire sur 16 bits. Et le debug donne immédiatement à côté le contenu de cette case mémoire. Voyez-vous? Alors, DS 2.0, il vous dit actuellement dans cette case mémoire, là, il y a. C'est quoi? C'est le contenu de cette case mémoire qui est là. Finalement, on est en train de faire un test entre quoi et quoi? Entre 3000 et 2400. Entre 3000 et 2400. Faisons ce test-là. Faisons le test. Que le processeur va faire. Donc, il va faire un test entre quoi et quoi? Il va faire un test entre la valeur 1000, qui est ça. Et quelle est l'autre valeur? 2400.
Ça, c'est 2000. Ça, c'est 3000. Et ça, c'est 2400. Il va faire un test Binatang. Que va être le résultat? 2 0 0 0. C'est clair. Alors, il va faire un end sans conserver les résultats. Donc, 0, 0, 1, 0. Et tout le reste, c'est des 0. Ces résultats, parce qu'on a fait un test, il ne sera pas conservé. Ça veut dire que la case de mémoire qu'elle a, elle ne va pas recevoir ça. Mais il va y avoir des bits d'état qui vont être changés. OK? Alors, en faisant le test, je vais vous montrer le résultat du test. C'est le résultat du test. Ça ne change pas parce que le test, c'est une instruction logique, donc on ne touche pas à la pile. Donc, ce qui était F4 reste F4. Moi, j'aurais dû noircir beaucoup de. Vous remarquez également, et c'est la preuve, que rien n'a changé. Aucune valeur n'a changé. Mais je voudrais pas insister sur une chose. Si vous pouvez voir, et vous allez m'aider à comprendre ça. Au niveau de PSW, et voilà le PSW après le test. Après le test, là, après le test. Qu'est-ce que je constate? Overflow n'a pas changé. DF pas changé. DI n'a pas changé. Le NC n'a pas changé. Le PO est devenu PE. Est-ce que vous avez besoin d'une information? Le PO et le. Quand on dit PO, ça veut dire parité odd. En d'autres termes, ici, P est égal à 0. Il y en a ici égal à 1. Est-ce que c'est logique? Parce qu'on a dit le test ne conserve pas le résultat, mais modifie les bits d'état. Pourquoi le PF est passé de PF égale à 0 à PF égale à 1? Là, j'ai besoin de votre aide. Parce que le résultat, les khajnar, n'a résultat pas pair. Voilà le résultat. Hada, 2-0-0-0. Il y a 2-0-0 et pair. Alors, je vais te contredire. Il y a un nombre de 1 impair dans cette valeur. Dans le premier octet, monsieur. Dans le Voilà. premier. Voilà. Parce que nous avons dit dans le cours, le premier semestre, le PF ne concerne que les points faibles du résultat. OK? Vous vous rappelez de cela? Même si l'opération est sur ce bit, ne concerne que les 8 bits de points faibles du résultat. Donc, le PF ne concerne que les 8 bits de points faibles. Et là, effectivement, comme c'est 0, donc c'est considéré comme étant il y a un nombre de 1, donc c'est pour ça que PO est passé à PE. PO est passé à PE. Parce que si c'était sur 16 bits, eh ben, le PO n'aurait pas changé. Parce qu'il y a un seul 1. Voilà, c'est bon? Monsieur, Un 1, oui. oui, c'est clair, ça a des questions. Mais Oui. le Non, PO, mais quand tout le temps PO, mais ça veut dire on n'a pas touché cela parce que même les autres, okay. C'est bien le test avant l'exécution test. Et on voulait une explication à cela. Et l'explication, c'est quoi? C'est. Parce que voilà le résultat obtenu. Donc,
un nombre de 1 qui est considéré comme étant pair. C'est bon? Attends, on va aller un peu plus rapidement. Au moins, on essaie de terminer la question ou on a besoin. Reste 3 minutes. Alors, c'était pour l'explication. Alors, maintenant, la prochaine instruction est Yahadi, JNZ. Selon vous, où est-ce qu'il va aller? Il va aller à 0,6AA si ZF est égal à 0. Parce que ça, c'est faire un branchement si ZF est égal à 0. Alors, il se trouve qu'ici, c'est notre 0, ça veut dire ZF égal à 0, donc il va sauter. Et donc, vous voyez qu'il va sauter à l'offset 0,6AA. Pourquoi? Parce que ZF est égal à 0. Il saute. Okay. Le SP ne change pas. Et le IP a bien pris, le IP, le voilà, il a bien pris 0,6AA. On continue, s'il vous plaît. Maintenant, la prochaine instruction, il y a pop AX. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Je termine. Contenir le sommet de la pile et le cutoff à X, ensuite on incrémente le SP. Excellent, excellent. Okay. Donc, on voit très bien que le SP a été incrémenté de 6, okay, et que le AX a bien pris la valeur, vous voyez, il a changé, parce que au sommet de pile, il y avait 0, 0. Si vous remontez le fort, quand on a fait le push head, donc AX était égal à 0, 0 au départ. Hein, donc, voilà au départ, que AX était nul. Voilà. Voilà, il était nul avant de faire push AX. Donc, c'est cette valeur qui va être dépilée. Okay? Donc, qu'est-ce que nous avons constaté ici? Nous avons constaté que le AX a reçu, parce qu'un pop, c'est quoi? C'est une lecture suivie de l'incrémentation de SP de plus 2. Donc, AX a changé de 0, 0, 40. Il a pris la 0, 0, 0, 0, qui était à le sommet de la pile. Et en même temps, donc, il y a quoi? Il y a réajustement, la mise à jour du SP. Et donc, le SP, c'est juste, je vais revenir sur le corriger. Voilà, je termine. Hein. Que le SP a bien pris la valeur, a été incrémentée de plus 2. Maintenant, la prochaine instruction, c'est push DS, n'est-ce pas? Push DS. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la même chose. Il va lire ce qui est conservé. Et donc, vous voyez, dans les 0,040, il revient à son ancienne valeur 0,09. C'est ce qu'il y a dans le sommet de la pile. Ici, dans le SP. OK, voilà. Donc, il y a d'autres questions. On va les aborder la prochaine fois. Monsieur, Pardon. j'ai une question concernant le PF. Oui. Monsieur, qui connaît PF égale à zéro? Oui, Maintenant, c'est il bon. y a un nombre impair de 1 flocté. C'est ça, Un c'est ça, nombre c'est ça, de exact, contacts à exact. l'EPSW, qui a une PE, qui a un malou PO. Après mon instruction test, Oui. Non, qu'un impair, PO, c'était impair, où il est devenu pair. Et comme c'est la donnée dans l'octet bas, une valeur 0, le 0 est un capital de 1. On a donné à l'émission. Oui, d'accord. C'est bon? Oui, merci, monsieur. C'est moi. OK, donc alors, s'il vous plaît, POP DS, nous avons des choses qui sont faites. Donc, on va arrêter ici. Il reste d'autres questions. J'aimerais bien que la prochaine fois, Inch'Allah, tu me dises pour que la discussion deviendra plus intéressante. Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, monsieur. Monsieur, j'ai une question à propos du TP. Oui, allez-y, allez-y. Monsieur, dans la procédure free, on doit traiter les données comme étant des bytes ou des words. Non, non, non. La représentation que j'ai donnée, c'est 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Ah, d'accord, Ah, c'est 8 donc, bits. c'est byte. C'est D'accord. byte. C'est Merci, byte. monsieur.
Il y a une étudiante qui m'a interpellé. Elle m'a dit, monsieur, on risque d'avoir 50 captures d'écran. Il n'y a pas 50 captures d'écran. Lisez bien dans la partie. Le TPHDIC fait deux parties. Fait la partie expérimentale où vous essayez fait la séance de TP, vous êtes seulement en train de ce que j'ai appelé travail à réaliser. C'est de l'entraînement. En bas, il y a ce que vous devez remettre dans votre rapport, ce que j'ai appelé rapport à remettre. Et dans le rapport à remettre, je dis maintenant, faites une exécution. Mais j'ai précisé, faites l'exécution normale. Et quand je dis l'exécution normale, donc ça va m'éviter d'avoir des captures d'écran pour chaque trace. Donc, il n'y a pas beaucoup de captures d'écran que je demande. On me parle de 50 captures d'écran. Mais qu'est-ce que 50? Parce que je ne demande pas dans le rapport de faire le pas à pas. Il sait très bien. Dans la question A ou la question A, la 2, 1 ou la 2, ainsi de suite. Donc, le nombre de captures est très limité. Très limité. Si on dit que 50 captures d'écran, ça veut dire que l'Égypte, dans ce rapport, KTEB, non. Lisez l'énoncé. Tout le monde, vous ne lisez pas l'énoncé, faites moi la chose. Donc, lisez l'énoncé. Et moi, je vous ai dit dès le départ, si vous avez des problèmes avec TP, je suis prêt même à organiser avec vous une séance sur Google Meet. Mais il faut lire quand même l'énoncé. Voilà. Et comme ça. Hein? Monsieur, concernant l'explication de la procédure. Ça dépend comment vous l'expliquez. Allô? Ah, habset. Je crois que خلاص الوقت. Désolé, donc habset. Monsieur. Oui, rate coupure de son. Oui, je vous écoute, allez-y. Monsieur, concernant l'explication de la procédure. Oui. Est-ce qu'on doit expliquer le fonctionnement global de la procédure ou bien instruction par instruction? Vous êtes en train de parler de quelle partie? Quand je dis bien commenter, la chargée de TP nous a dit d'expliquer le fonctionnement de la procédure. C'est dit à quel niveau écoutez, si elle a dit, ce n'est pas donné dans l'énoncé. Ce n'est pas donné dans l'énoncé. C'est oui, quelque monsieur. Chose qu'elle a rajouté. C'est quelque chose qu'elle a rajouté. Oui, monsieur. OK. Donc, ce qu'il y a dans l'énoncé, c'est moi. Ça, c'est moi. Donc, je réponds à toutes les questions, ce qu'il y a sur l'énoncé. Maintenant, si elle demande quelque chose en plus, c'est à elle de donner des explications sur ça. Pas commenter, je ne sais pas qu'est-ce que. À moi, une procédure commentée, c'est-à-dire là où je juge dans le programme du tri qu'il faut donner plus d'explications, point virgule, et je donne un commentaire dans le programme. Maintenant, est-ce que c'est ça ce qu'elle demande ou pas? Posez-lui la question à elle. OK? Alors, ce qu'il y a dans l'énoncé, je prends la responsabilité de tout ce qu'il y a dans l'énoncé, parce que c'est moi. Donc, je réponds aux questions. Si elle demande quelque chose de plus, parce que c'est elle qui va corriger le TP. Si elle demande quelque chose de plus qui n'est pas cité dans l'énoncé, posez-lui la question pour avoir la bonne information. Et c'est elle qui va corriger, et ce n'est pas ça ce qu'elle veut. Par contre, voilà ce que j'ai trouvé dans l'énoncé. Ça, c'est moi. Est-ce que vous me comprenez? Et elle demande un extra. Elle demande un extra. Est-ce que l'extra, je l'interprète? Qui m'a l'interprète? Je ne sais pas. Donc, posez-lui la question. Qu'est-ce que vous voulez comme explication? OK? Elle est la mieux placée pour ça. Mais pour l'énoncé, c'est moi. Vous ne comprenez pas quelque chose dans l'énoncé, ça, c'est moi. C'est bon? Oui, monsieur. Encore une fois. Ça, il y a comme ça.